fucking loser. Did you see that new art show at the Mount Bank? Totally derivative. Morrisville. I need you to get me home. Salut à tous, c'est Fabien, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de Glitch sur GTA V. Je m'excuse pour mon inactivité, donc je viens de rentrer en BTS et je gérais Glitch XFR et Reality Gaming en parallèle. C'était pas franchement évident de trouver du temps pour pouvoir m'occuper de ma chaîne personnelle et donc vous proposer du contenu intéressant qui n'est pas du wallbreach naturellement, parce que le wallbreach sur GTA V c'est bien, mais ça va 5 minutes hein, puisqu'il y en a franchement énormément et c'est normal vu que la carte est vraiment grosse. Donc je vais vous proposer un glitch vous permettant d'utiliser les personnages du solo en multijoueur, donc c'est-à-dire Michael, Trevor et Franklin. Donc c'est franchement très très simple, c'est une autre méthode qui est bien plus simple et moins casse-pied. Donc je vais ralentir un tout petit peu. Vous devez faire Start, vous allez sur PlayStation Store, vous faites X. Donc une fois que vous l'avez lancé, normalement il ne va pas se lancer tout de suite car il met un peu de temps à charger. Là directement vous refaites Start en ligne et là vous cliquez et normalement si jamais ça s'est bien passé, vous allez voir le chargement du PlayStation Store commencer à se faire, donc la carte va circuler et là vous quittez le mode online, tout simplement. Ensuite vous laissez faire. Donc vous voyez que ça va charger, ça va même charger pendant un bon moment. Donc il se peut que votre PS3 freeze, il se peut que votre jeu bug, il se peut que les chargements soient plus longs que moi dans la vidéo. Et donc le PlayStation Store va finalement charger lentement mais sûrement. Une fois que vous y êtes, eh bien vous faites rond, tout simplement. Là vous voyez que votre carte vient de bouger, ça ne vous remet pas à l'endroit de votre personnage online, mais ça bouge tout simplement sur la carte et normalement ça vous emmène sur un personnage du mode solo. Donc là vous allez vous dire, mais voilà, je suis retourné sur un personnage du mode solo, mais je suis réellement en mode solo. Vous voyez la carte en bas à gauche, je suis pas en online, je suis en solo. Par contre j'ai mon argent du online en haut à droite, donc c'est à dire mes 3 milliards en banque et mes 90 000 dollars en liquide sur moi. Et bien lorsque vous faites Start, vous voyez que j'ai bel et bien mon argent sur moi et mon argent à la banque. Vous retournez sur PlayStation Store, vous le rechargez. Donc là ça va reprendre un petit peu de temps à recharger. Et lorsque ça va le charger, vous allez de nouveau tomber sur la page du PlayStation Store où est-ce que vous pouvez prendre le petit ticket cash. Et bien là, vous refaites rond, comme j'ai fait au tout début dans la vidéo. C'est la même manipulation. Et en fait, en faisant ça, ça va switcher le personnage Michael, ou Michael, hein, comme vous voulez. Ça va le switcher du mode solo au mode online, tout simplement. Donc déjà, le bug était bien entamé lorsque vous étiez avec Franklin qui était indiqué sur le mode solo, mais avec votre argent online. Eh bien, en faisant cette petite manipulation supplémentaire, vous allez avoir un chargement supplémentaire et vous allez atterrir en ligne, tout simplement, en multijoueur avec le personnage Michael. Donc, c'est franchement génial, hein, ça marche avec les autres personnages. Hein. Il suffit juste tout simplement de sélectionner le personnage que vous voulez dans votre partie solo avant de faire ce glitch. Et là, vous voyez bel et bien que je suis avec Michael, que j'ai la petite carte avec les petites icônes bleues, donc ce qui signifie et ce qui prouve que je suis en mode online. J'ai mon argent sur moi en liquide, mon argent à la banque, et j'ai bien évidemment la liste de personnes qui sont dans la partie avec mon level. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que ce glitch vous plaira. C'est un glitch qui n'est pas forcément réellement utile, mais il est franchement très très fun à réaliser, puisque vous voyez même que la tête de Michael est sur votre avatar en ligne. Donc lorsque les personnes regardent la liste et qu'ils voient votre pseudo, ils voient tout simplement la tête de Michael. Donc c'est assez fun à réaliser, j'espère que ce glitch vous plaira. Quant à moi, je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.